Hey yo les petits potes, c'est Rookie de retour sur Modern Warfare 3 pour des petits gameplays sympathiques pour changer un peu de Warzone. Aujourd'hui c'est la MTZ 556, elle fait très mal, j'avais déjà débloqué la saison dernière la bombe ADN avec. Là aujourd'hui je me suis pas fixé forcément de faire des nukes, mais plutôt des gros gameplays avec pas mal de kills. Donc là j'ai plus de 75 kills à vous proposer en 6v6 sur Stash House avec du coup ce class setup. Qui est le même que celui que j'avais dans la vidéo pour la bombe ADN. Poignée soutien Bruen en accessoire canon pour tout ce qui est contrôle du recul. Frein de bouche Casus également pour tout ce qui est contrôle du recul. Ces deux accessoires, c'est surtout contrôle du recul horizontal, si je dis pas de bêtises, parce que c'est surtout c'est surtout le recul important avec cette arme. Le meilleur canon, le canon pro MT7 Clinch pour tout ce qui est portée dégâts, vitesse des balles. La lunette Jax en vert, parce que c'est le meilleur réticule pour moi. Et c'est quasiment une classe en fait qu'on pourrait utiliser sur Warzone, à part qu'on enlève le chargeur pour ajouter la cross télescopique MTZ Light Strike, qui n'a que des points positifs en mobilité. Et ça, je trouve, c'est un point fort, un accessoire important pour cette arme. Le carambit pour se déplacer rapidement. J'ai mis le gilet d'ingénieur pour en fait avoir du coup. Les équipements ennemis à travers les murs, ce qui me permet du coup également d'avoir deux stimulants au lieu d'un dès le départ, boîte de munitions, les gants de tireur d'élite pour réduire le tressaillement, les chaussures de couverture pour être silencieux, la protection anti-bombe pour éliminer tout ce qui est dégâts liés au feu, aux explosions, donc tout ce qui est explosif ennemi, et l'étui de chargeur pour améliorer la vitesse de rechargement. Voilà, profitez bien du gameplay et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.
Fait du bon boulot.